Pearson a encore un peu plus sombré. J'ai comme l'impression qu'il m'entraîne avec lui. Mais je dois rester fort si je veux que tu sois fier de moi, frérot. Salut, salut les gars, c'est Air Force et on se retrouve pour l'épisode 9 du Let's Play de Call of Duty World War 2. C'est parti. Oh ça, pète. Il veut quoi? Oh ça, pète. Tiens. C'est quoi ce qui se passe? Sergent. Quoi là? Hein? Et ça, ça te plaît, hein? Ça te plaît? Parfait, merci. Salopard. Sergent! Hé, hey, t'en mêle pas, toi! Oh. Comme ça. Qu'est-ce que tu te caches? Ce salopard nous a caché ça. Donne-moi ça. Ça veut dire quoi, cette merde? Ce sont des ordres pour placer des explosifs sur le pont de Remagen. Le matériel va être chargé sur des camions à 7 km au nord. Si je comprends bien ce document, c'est le dernier pont encore en état pour traverser le Rhin. Oh bah ça alors, Fritz. Ok. Les camions ennemis bourrés d'explosifs passeront bientôt par ici. On peut pas les laisser atteindre le Rhin. Pearson nous a donné l'ordre de bloquer la route avec ses troncs d'armes. Mais où est Pearson? Sûrement dans une planque avec le détonateur. Et du whisky. Vous savez ce qui peut saouler? L'hypothermie. Pas si tu te remues tout le temps. Styles, t'es dans le groupe de Pearson. Daniel, Sussman, vous m'accompagnez le temps que je pose la dernière charge. Et on attaque les camions. D'accord. Ok. Heureusement qu'on a trouvé cette information. Un pas de plus vers le Rhin. Je sens déjà la puanteur d'Adolphe. On doit d'abord arrêter ces camions. Là, je le suis, ouais. Moi c'est primordial, hein. Même si j'échoue dans la mission, faut... Accroche-toi, l'ami. Faut que je les mette à couvert. Même si ça peut paraître complètement... Ma grenade a pas mal fait mouche. La voie est libre, la voie est libre.
détruire les explosifs. Aiello, prépare-le pour le voyage. Howard, prends des hommes et dégage la route. Bien sûr, chef. Kyle, viens avec moi. Pousse de secours ici. Moi, je veux bien. Hein. Ok. Fouf. Bon bah on a tendu une embuscade, j'espère que c'est pas que ça la mission. Hein. Parce que... Non. Parce qu'on les a quand même pas mal déglingués, ils ont pas pu faire grand chose. On franchira la porte à 0300. Faut trouver un endroit surélevé pour couvrir notre assaut et détruire les derniers camions. Hé, hey, fermez l'arme. Surveillez les patrouilles. On y va. Ok, donc tous les deux on s'est séparés pour aller. 900 silencieux, très très utile. Voici nos deux points de vue près de l'entrée. Il doit y avoir plusieurs moyens d'entrer. Tant qu'à faire. MP40. J'envoie une grenade, continuez jusqu'à un point surélevé. Là, il y avait un chemin. Donc ça, j'espère que ça a pété, ça fait faire mal. J'essaie de mettre une collette, mais je pense pas que ce soit possible. Pas que je suis ultra très nul à viser, je sais pas. On a fait un truc à deux, hein, ce qui est, je pense, complètement impossible.
Allez, 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 allez. Ah, je suis cassé la cheville. En voilà par ici. Personne avance vers les camions. La petite collette. Laissez un camion partir. Oh merde, je l'avais pas vu ce connard. Oh merde, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Oh, ça fait pas beaucoup en fait. Oh putain. Comment ils vont avancer un peu? C'est vraiment tendu.
Allez, 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 allez. Sentir rarement. Reste calme, ça va aller. C'était pas loin. Ça va? Jusman est capturé. Désolé pour ton ami, mais on doit s'occuper du dernier camion. Non, 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 tu vas nulle part. Ils ont Jusman. Jusman, non. Ah, je peux pas le pousser. Allez, allez, allez. Oh, moi j'ai fait un accident. Ça va pas être... Ah voilà, très joli. Non. Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Die und separat. Jette die Black. Jette die. Ich cherche die Juifs. Wer sind die Juden?
die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi-Stuckscheißer. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick Dirk. Zeig sie mir! On est américain. Point barre. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Wohin bringst ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Ça fait 8 semaines que Zussmann s'est fait capturer. Mais j'essaie de garder espoir. Monsieur, dites-moi qui l'ont trouvé. C'est seulement, fiston. Pearson ne se souciait pas du tout de lui. Pas plus que de ses hommes à Catherine. Catherine ? Vous avez tout faux, soldat. Pearson a reçu l'ordre de battre en retraite. Et certains de ses hommes étaient coincés dans cette passe. Il ne pouvait pas se résoudre à partir sans eux. Mais il a fini par perdre encore plus d'hommes en tentant de les sauver. Depuis, il n'est plus le même. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour Pearson. Vous rentrez au pays. Je vais finir en cour martiale, monsieur. L'image de l'armée serait bien ternie. Si nous punissions le soldat qui nous a tant fait progresser. Eh oui, les informations que vous avez trouvées sur ce prisonnier nous ont permis de localiser le dernier pont traversant le Rhin. Il se peut que vous receviez l'étoile de bronze. Vous êtes un vrai héros. Et Zussmann. C'est bon de te revoir, Red. À partir de maintenant, je compte plus te lâcher d'une semelle. Tu m'as bien compris, ce caporal ? Oui, madame. Est-ce que tout va bien, Red ? On est là pour causer ou pour chasser, hein ? Tu devrais être fier de toi. T'as surmonté ta peur, tu t'es défendu. On ne peut pas demander plus à un homme. C'est la meilleure sensation au monde, pas vrai ? Connaître l'enfer et revenir chez soi en véritable héros. Il y a quelque chose de faux. C'était un rêve. À la mort. J'ai été démobilisé. Pire encore, les Boches ont capturé Zussmann. Mais je ne l'abandonnerai pas, même si je pouvais rentrer chez moi. Et voilà les amis, c'est la fin de l'épisode 9 de ce Let's Play. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Salut, salut.